Bonjour les amis, bienvenue sur Muriel's Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une petite recette facile, rapide et simple avec très très peu d'ingrédients. Donc la recette, c'est la recette de poulet sauté, donc aux épices bien sûr, mais avec très peu d'épices. Donc ça convient pour les célibataires et aussi pour les personnes qui sont débutants, qui ne savent pas trop cuisiner. Donc voilà, je vous explique tout ça étape par étape. Donc là les amis, j'ai pris à peu près 350 à 400 g de poulet désossé. Prévoir 3 à 4 cuillères à soupe d'huile, un oignon en morceaux, une petite tomate, vraiment une petite tomate en petits morceaux là comme ça, une cuillère à soupe de paprika, un peu moins d'une cuillère à soupe de cumin en poudre, du sel pour le goût, 2 à 3 gousses d'ail et un petit centimètre de gingembre écrasé. Ça c'est vraiment en option, un piment vert en morceaux. Ça aussi c'est vraiment en option, donc des graines de fenouil et des graines de moutarde. Regardez bien. Donc là les amis, dans une casserole, je fais chauffer donc de l'huile. Une fois que l'huile est chaude, donc je viens mettre les graines de moutarde fenouil, là comme ça, voilà. Et aussi l'ail gingembre, hop, hop, hop. Voilà. Je fais griller l'ensemble pendant 10 à 15 secondes. Donc dans la foulée, je viens mettre les morceaux de poulet. À partir de ce moment-là, feu très fort pendant 4 à 5 minutes, voire un peu plus. Tout en mélangeant, bien sûr. Donc là, les amis, je profite donc pour mettre les morceaux de tomates. Voilà, comme ça. Le sel, hop. Le cumin en poudre. Et le paprika, hop, voilà, comme ça. Je mélange bien ensemble. Donc maintenant, le but de jeu, c'est d'attendre la cuisson des tomates. Donc franchement, ça va prendre à peu près 5 minutes. Vous pouvez légèrement diminuer la température. Donc là, les amis, je profite pour mettre donc les morceaux de piment, c'est vraiment une option. Et puis, je viens mettre les oignons. Voilà. Je mélange bien l'ensemble. Feu moyen à partir de ce moment-là. Et c'est parti pour 4 à 5 minutes. Et voilà les amis, voilà le travail, c'est terminé. Franchement, ça nous a pris quoi? Même pas 12 minutes de cuisson en tout, je pense. Hein. Voilà, voilà, donc on peut couper le feu. Voilà, c'est terminé. Donc voilà le travail les amis, admirez ça de près. Voilà, voilà, ça sent super bon. Les amis, place à la dégustation, admirez ça de près. Toujours vous en premier. Voilà. Donc je vais prendre ça avec une petite cuillère. Hop, un bon morceau là, regardez. Un petit piment pour la route. C'est vraiment une option le piment. Hein. Moi j'aime ça. Ouh là là. Simple, rapide et bon. Attendez, hein. Je vais encore taper dedans là. Trop bon, franchement, trop bon. C'est bien dosé en fait. Après, vous pouvez même mettre un petit coup de citron là, un peu de jus là. Trop bon. Vous pouvez prendre ça avec du riz, n'importe quoi. Franchement, même des pâtes et tout là. Franchement, trop bon. Même pour l'apéro, c'est parfait. Avec un bon whisky là. Voilà, voilà. Donc, les amis, si vous avez kiffé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt !